Allez hello, c'est Capuenzo 1939 pour l'épisode 4 de notre petite aventure sur Papa Louis. J'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve là où je vous avais laissé dans le dernier épisode. J'arrive pas à mettre ça en mots. Mais ce que je veux dire en mots. Dans le dernier épisode, je m'en étais pas si mal sorti. Je suis pas mort, j'ai bien joué, je trouve. Enfin, bien joué. Nombre de fois où je me suis trompé de touche entre le X et le Y. Et j'ai lancé plein de bombes et tout dans tous les sens. Donc c'est parti. On entame le niveau 2 de l'étage numéro 3. Avec toujours cette sauce tomate qui nous fait naviguer. Oui, oui. Je navigue dans la sauce tomate. Tiens, take that. Oh. Ok, on va. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, on peut pas passer là. Ok, donc on va... Wow. Non, c'est bon, j'ai eu... Wow. Ok, j'avais eu un lag. Je sais pas si ça... Oh, mais... Wow, on se calme. D'accord. C'est bon. Non. Si. Wow, j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé. Wow, mais non, ça se calme pas du tout. J'ai pas mal de lag. Bon, c'est pas grave. On va continuer. Je pense que ça va... Je pense pas que ça gêne beaucoup sur un jeu flash dans ce genre, des lags. Ça va, ça gêne pas énormément. Mais t'as l'oignon, c'est qui essaye. Non, je vais remonter la pente, je ne veux pas ressombrer dans l'alcoolisme. Oh, d'accord. Dans l'alcoolisme de la sauce tomate. D'accord, ici ça nous amène là. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? On va voir. Oh, j'aime trop les fêtes avec les petites étoiles quand tu casses un caillou. D'accord, maintenant, d'accord, ok. On avait un Pac-Man. Un Pac-Man en fromage qui nous roule dessus. C'est un concept. D'accord. Ok, donc ici il y a écrit Flipline. Ok, bon, c'est les studios. Hein. C'est les studios qui ont fait le jeu. C'est Flipline Studio. Oui. J'ai un peu galéré à dire. Ok. Donc, bah, c'est parti. On va continuer sur ce. On leur fait un coucou hein, à Flipline d'avoir fait un jeu aussi fun. Ah ok, c'est fou comme je l'ai esquivé. Oh d'accord, on retombe. Magnifique. Est-ce qu'on peut remonter? Non, on peut pas. Allez, on refait le chemin. Go. On y va en mode hors-bord. Allez, il y a le Pac-Man là. Oh, il nous a pas eu, on l'a brain le Pac-Man. Oh bon, il y a toujours ces petits lags. J'espère que ça vous gêne pas trop. Au pire, vous avez le droit de m'insulter dans les commentaires. J'aime bien dire ça. J'aime me faire insulter. C'est bon ça. On va essayer de pas retomber, voilà. On va essayer. Non, c'est bon. J'ai cru que j'allais retomber. Ok. On a un cœur. Ouais, ça nous amène ça. On va s'amuser à jongler avec notre pizza. Ok, je crois qu'il faut des. Non. Ma pizza. Attends, il redescend là. Il redescend pas. Magnifique. Conseil pour garder vos pizzas. Ne jonglez pas avec sur un dirigeable. Il y a des chances que vous l'oubliez. Ok, c'est bon. Encore, c'était pas trop dur de remonter. Allez, descend. Gentil, dirigeable. Oui, je suis toujours... comme j'enregistre cet épisode à la suite du dernier, je suis toujours un peu enrhumé. J'espère que ça gêne pas la vidéo. Oh. Ah d'accord, lui, il crache plus ses petites bouboules, lui. D'accord, j'ai complètement raté. Lui, il nous crache carrément des boules de mozzarella. Oui, bon, un peu périmé le mozzarella, je vous l'accorde. Il est pas très... La couleur, elle est pas géniale. Ok, là, ici, c'est genre tapis roulant. On tape tout ce qui passe devant. Attends, juste ici. Attendez, on pose la pizza. Allô? Non, ça marche pas. Ça non plus, ça a pas marché. Oui, oh magnifique, le rebond super pas que n'importe quel physicien se tuerait d'avoir vu un rebond pareil. Ok, on va prendre nos pizzas peut-être avant de partir. Donc on a 3 sur 5 de pizza. Il en faut 5 pour ce niveau. Ok, on peut repasser là si on a oublié la pizza ou si on l'a pas vue. Voilà. Bon, c'est bien, parce que je suis sûr qu'il y a des gens, je pense, que c'est possible de ne pas voir la pizza. Non. Bon, c'est conceptuel. Voilà. Alors, ici, il y a une pizza, on va...
Magnifique. Oh, j'arrête pas de me tromper de touche depuis le dernier épisode, je sais pas ce qui m'arrive. Ok, j'ai tout posé. Ok, on a 4 petites pizzas. Ici, il y a des petites vagues. C'est gentil, ils nous mettent des petites vagues, des pièces en vagues. Ok, eux, ils ont un petit sourire bizarre. D'accord, ça marche pas trop. D'accord. C'est vraiment genre... D'accord, il y a chacun qui brigne l'autre. On n'est pas aidé par la sauce tomate. Hein. Non, mais pourquoi elle nous aiderait, la sauce tomate? D'accord, bonjour. Non, 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 non. Elles vont où, là, mes pizzas? Elles vont où, mes pizzas? Non, je ne suis pas d'accord. Où vont mes pizzas? Oui, non, j'ai cru que c'était pas possible d'avoir peur. Non, non, je veux mes pizzas. Où est-ce qu'elles sont parties? Si ça se trouve, elles sont tombées. Non, elles sont pas tombées dans le vide. Ça fait légèrement peur. Ok, on a toutes les pizzas, donc je pense que la fin du niveau, elle est par là, oui. Bonjour, oui, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a essayé de refaire son lacet, mais il a été stoppé dans ce mouvement. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Là-haut, est-ce qu'il y a pas quelque chose? Non. Ouais, bon, voilà, tant pis. Ok, donc on a fini ce niveau. Bon, on va enchaîner sur le dernier niveau du troisième étage. Hein. Hop, ouais. Ouh, j'ai pris quand même 6 minutes pour faire ce niveau. Bon, on va dire que c'est normal, hein, prendre autant de temps pour un niveau de Papa Louis. Même si je ne suis pas trop... Ok, Marina Raffles, c'est pas... Oh, il n'y a pas de sauce tomate dès le début. Attendez, attendez. C'est quoi ça? Je veux y aller. D'accord. Voilà. J'ai l'impression qu'on pourra y aller, mais pas tout. Attends, si, peut-être. Peut-être si on cède de l'élan de... Oui, on peut, c'est possible. Je crois que c'est possible. Voilà, on va réessayer. Mais je crois que c'est possible si on cède de l'élan de la tomate et qu'on fait... Non, c'est pas possible en fait. Tant pis. Je vais essayer. Hop, on casse ça. Non, d'abord on casse, après on se baisse. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai l'impression que ça, on doit monter dessus. Donc voilà. Non, non. Ah. Ouh là, et ouh, ça lag. C'est le goth. Vous voyez? Mon ordinateur est tellement puissant qu'il arrive à faire laguer un jeu flash. Yeah. Bon, après, il y a des jeux flash qui sont un peu plus balèzes, mais... Voilà, quoi. C'est pas pas lui, c'est pas... C'est pas le jeu flash du monde. Hop là. Oui, bonjour. Je vais vous envoyer une bombe poivrée à la gueule, merci. Ok, donc je crois que c'était là, le petit passage qu'on avait vu. Oh, désolé, c'est un petit réflexe, vous savez, quand on est enrhumé, je pense que je suis pas seul au monde à faire ça. Si je suis seul au monde, bah, je peux aller me pendre, et je pense que je vais faire ça. Ouais, peut-être pas tout de suite, mais je vais le faire. peut-être pas, en fait, parce que j'ai des amis qui tiennent à moi. Oh, c'est mignon. Ok, donc on va essayer de tuer cette chose que je ne sais toujours pas ce que c'est. Tiens, je voudrais bien me dire ce que c'est que cette chose, je prends. Voilà, je l'ai eu. Non, mais putain, ça va. Wow, mais j'ai plein de likes. C'est vraiment bizarre. Je sais pas. Bon, et lui, les deux idiots. Oh, bonjour. Tu n'es pas du tout idiot. Là, oh, double. Oh, le double. Ok, j'aimerais bien passer. Ah oui, ça c'est fourbe. Parce qu'il faut faire des petits sauts. Oh, lui, il en veut, regardez. Vas-y. Allez, tiens, bouffe. Voilà. Sinon, moi, j'espère que vous allez bien. J'ai sûrement déjà dit, mais bon. On ne le dit jamais assez. Et que vous aimez cette petite série. Voilà. Voilà, voilà où, hein. Hop. Non. Enfin, oui, bon, ça a marché. Ok, on est à la fin du niveau, j'ai que deux pizzas. Donc le truc, c'est qu'on va repartir. Au moins, on sait où est la fin du niveau, même si c'est pas la chose la plus dure à trouver. Hein. C'est pas le monument de la victoire dans Coop Hostile. Non, même, il y a encore ça, on peut la trouver dans Coop Hostile. Ouais, bon, on s'en fiche. En plus, je dis dans Coop Hostile, alors c'est sur les maps de Vex, hein, mais bon. Les maps de Vex, Coop Hostile, maintenant, voilà. On dit coucou à la Coop Team, que j'aime beaucoup. Je passe mes journées dessus, j'ai plus d'amis à cause de jeu. Non, peut-être pas, mais je les aime beaucoup. Je passe beaucoup de temps à regarder leurs vidéos. Hop, on les abrègue. J'ai cru qu'ils pouvaient nous avoir.
Hop, donc on va descendre par là, au lieu de se suicider. Enfin, se suicider, il est pas mort, mais au lieu de se la jouer à la kamikaze comme l'a fait ce brave petit oignon. Tiens, petit oignon. Bon, sinon, j'aimerais bien trouver les trois pizzas qui nous manquent, quoi. Ok, ici, c'était juste pour des pièces. Bon, c'était surtout parce que il y a de fortes chances qu'on veuille taper cet oignon et que donc nos pizzas tombent et qu'elles partent. Donc, je pense que ça servait plus à ça qu'à récupérer les deux petites pièces. Hop, ouh, bon, ouh là là, l'esquive de foufou. Donc, j'aimerais bien trouver les pizzas. Les pizzas, où sont les pizzas? Elles sont tellement puissantes. Tu sais, on triche, on fait des pizzas. Bah, on est quand même pizzaïolo, tu sais. Ok, je suis revenu au tout début du niveau, c'est ça? Oui, magnifique. Oh. Oh, dis donc, c'est magnifique. Bon, c'est pas tout, mais voilà quoi. On va essayer de ramasser nos pizzas. Ah, mais elle, je l'avais pas tué. Ah non, j'étais tombé. Ah, mais oui, voilà. D'accord. Allez, on y va. Ouh, bon, attends, 2 secondes. Ok, j'espère que je vais bientôt finir ce niveau. Ce serait pas mal. On aura fait 2 niveaux en bientôt un quart d'heure. On aura fait que 2 niveaux. Oh mon dieu. Bon, vous voyez, commence à se compliquer un peu plus hein, ce jeu. Non, mais c'est pas vraiment compliqué, mais voilà. D'accord, ici aussi il y en avait. Ah, d'accord, en fait, je vais. D'accord. Il lance ses petites bouboules, elle. D'accord. Bon, après, elle lance que d'un seul côté encore. Si elle marchait et qu'elle crachait leurs petites bouboules. Enfin, leurs grosses bouboules. Elle crache des bouboules. Donc, je pense que ce serait déjà un peu plus embêtant. Est-ce qu'on est allé? J'ai l'impression qu'on y est allé. Oui, on y est allé. Ah, hein. Oui, tout à fait. Donc, hop, on va descendre là. Lui, on le brain, là, il y a un cœur que je veux. Je veux ton cœur. Donne-moi ton cœur. Bon, tant pis. Voilà. Lui, on va essayer de l'avoir. Furtivement, peut-être pas, mais essayer de l'avoir tout court. Tiens. Ouh, c'était aussi furtif. Il nous a pas. Ok. On n'a même pas toutes nos pizzas. C'est magnifique. On me demande où est-ce qu'elle est la dernière. C'est pas mal de la trouver. D'accord, ouais, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, d'accord, c'est mon. D'accord, je vois ce qui s'est passé. Non, c'est parce que comme j'étais en train de. Comme je filme avec Camtasia, vous voyez, il faut exporter après le fichier pour pouvoir l'utiliser, pour le mettre sur YouTube, surtout parce qu'ils acceptent pas le format Camproj pour les vidéos. Est-ce qu'on va en aller? Non, on va aller en bas. Et donc, il faut les exporter. Et puis là, je pense qu'il a fini la moitié de l'exportation. Et donc, c'est pour ça qu'il m'a affiché ce magnifique truc. Donc, si, bah voilà, on va. Cette fois-ci, on l'aura. Voilà. Donc là, on a fini entre guillemets ce niveau. On va essayer de le finir avant un moment. Voilà. Hop là, je crois que c'était par là. Bon, tant pis, les cœurs. Hein. L'oignon là, il m'a fait un petit coup de flip. Allez, 5 pizzas avec 2 doigts. Hein, vous voyez, il le chope avec 2 doigts. Je vais essayer de vous montrer ça. Regardez, hop, 2 doigts. En plus, il tient la dernière pizza du bas. Elle flotte. Voilà. Non, il le tient avec le petit doigt. La dernière pizza du bas. Voilà. C'est vraiment un warrior ce pizzaïolo. Allez, c'est parti. On a fini le niveau. Bon, on va regarder s'il n'y a pas quelque chose. Non, il n'y a rien. Donc, on a fini. T'étais avec ta petite blonde dans la cage. Ça, je vois bien le truc. Hein. Oh, il commence à faire froid ici, John. Ah, mais oui, bien, on se réchauffe. Bon, voilà, vous voyez le tableau. Et donc, bah, on a fini ce niveau. Et on va, par la même occasion, se laisser là pour cet épisode. Bon, on aura fini l'étage numéro 3. D'accord, il y a encore, je sais pas combien d'étages il y a en tout, on va bien voir. Hein. Donc, sur ce. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, je crois que tout ça, je l'ai pas dit dans un épisode, mais bon. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert si vous avez aimé, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, à laisser votre petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo, à faire plein de choses avec, la télécharger, la découper, l'utiliser, la... voilà. Et puis, je vous dis au revoir. C'était Capienzo 1999. Ciao, ciao.